Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Jean-Fritz Millien. Moi, c'est agronome. Et j'ai à peine terminé en maîtrise dans l'Université d'État Brésil qui est l'UEPG, l'Université d'État de Ponta Grossa. Pour qu'on y ait, moi, je voulais faire quelques vidéos qui peuvent aider les paysans haïtiens à comprendre plus bien gens pour travailler la terre et qui gens sont capables de faire plus l'argent dans sa produit. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais montrer une alternative que je travaille sous lit qui peut aider les paysans haïtiens assurer gestion de l'eau, sol et fertilité jardin yo, pendant que y a produit plus sur un petit espace par une technique de fertilisation rapide et durable qui relève Terra Preta. Pour nous commencer, qui ça Terra Preta? Terra Preta est sorti dans deux mots portugais qui veut dire terre noire ou bien sol noir. Nous jouons un type de sol ça yo dans forêt amazonie au Brésil et ces communautés indigènes yo qui te modifié ou bien qui modifié type de sol ça et rend ni vin plus fertile. C'est ça que fait yo classé comme anthroposol. Pendant maîtrise en Brésil, j'étais tellement content visiter une série de communautés indigènes à communauté quilombola pour me apprendre de yo, pour me voir qui j'ai au travail. Ça so, c'est une expérience qui était vraiment riche pour moi. J'étais vraiment content. Comment qu'a monté structure Terra Preta pour qu'on produise plus et fait plus l'argent sur un petit espace. Alors, surtout pour culture maraîchère. Premièrement, on fait délimitation espace pour qu'on fait sous Terra Preta avec piquette et ficelle. On fouille une fondation suivant forme ou vléa, par exemple 3 mètres de longueur, 1 mètre 20 de largeur, qui est capable de gagner 20 cm de profondeur comme ça ou bien plus toujours. Pour commencer à monter sous Terra, ou a besoin yon première couche bois pourri. Ou a ajouté yon deuxième couche paille sèche. Environ yon quinzaine centimètres paille sec comme ça. Pendant ou a arrosé paille sec là, essayez compacter li, monter sous li, compresser li. Et toujours faire ça pour toute l'autre couche ou a mettre dans sous tuté après temps là. Ajoutez une troisième couche qui est capable de gagner 10 cm et feuilles vertes là-dedans. Peut-être surtout feuilles légumineuses. Par exemple, canavalia. Si vous avez une canavalia, il est bon en pile. Mais vous pouvez utiliser n'importe feuilles vertes. Mais légumineuses, vous êtes plus préférable si vous êtes capable de jeûner pour utiliser. Ou ap ajoute yon quatrième couche pou de charbon, arrosé pou de charbon, et puis ajoute yon cinquième couche cacabette et mélanger couche cacabette ça ensemble avec pou de charbon. Pas oublier arroser pou de charbon avec cacabette là bien arrosé, surtout si tu as si pou de charbon avec cacabette là t'es sèche en pile. Finalement, ajoutez une cinquième couche terre. Ajoutez une cinquième couche terre sous pour de charbon avec cacabette là. Mais surtout, ajoutez premier terre ou te retirer, premier sol ou te retirer. Ça veut dire que c'est plus fertile là. Et finalement, lorsqu'on met une couche terre, c'est mettre une couche paille. Avantage gain dans Terra Preta depuis ou fini. Ou capable de tout planter sous structure parce que l'anticras différent de un compost normal parce que tes structure Terra Preta li même li pas chauffer pour capable tuer plante ou saute planter yo mais tout ou capable quitter en 3 jours en semaine passée avant planter ça va dépendre de vous et faut me garantir tout et ou mettre continuer planter pendant 7 ans tout de suite sous structure de Terra Preta là ou avoir un bon rendement. Moi t'ai planté par exemple moi-même moi t'ai planté poivron avec épinards sous structure pamio. Et m'a besoin d'où ça c'est toute quantité poivron moi t'ai récolté. Ou ka wè ça, ou ka wè toute quantité poivron m'te récolté. Par exemple, gade yon pied poivron qui gen en pile poivron la dan. Comprenez? Et m'te récolté épinard tout.
Et là, m'te compare quantité rendement poivron moins te joindre sous structure après ta, m'te capable dire t'es même plus que 5 fois plus que quantité poivron et m'te fait sous une structure qui pas te après ta. Et poivron ça m'te joindre m'te planté sous structure après ta, yo t'es plus précoce, yo t'es paré yon mois d'avance par rapport à l'autre poivron qui pas planté sous terre après ta. Et c'est même gens tout pour épinard. Donc épinard qui était sous structure après ta yo, yo t'est paré avant et yo t'est bailli plus que 5 fois plus épinard sous structure qui pas terre après ta. Ou capable ouais par exemple ça son pied. Par exemple ça c'est un pied épinard que m'ai déjà récolté. Ça c'est deuxième récolte là, regardez. Qui te sous structure après ta ou capable ouais grosse pied épinard Jean que te bail en pile et épinard et ça c'est un pied épinard qui te sous une structure qui pas te après ta donc ou capable ouais différence là. Merci d'avance parce que vous te gardé cette vidéo ça. Et ça c'est contact moi si vous besoin information si vous besoin et moi aide plus dans monter terre structure après ta dans préparer terre après ta donc toujours capable aide ça c'est contact moi.